secteur démocratique l'a dit, bataille pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir, bataille pour cette Petro-Caribé a fait là, bataille pour conférence nationale l'a fait là, c'est une bataille nous devons mener de façon concertée, c'est pour nous organiser bataille. Alors c'est raison ça qui fait secteur démocratique là, il pas lancer manifestation 14 août 2019 qui se passait là, parce que pour nous-mêmes dans secteur démocratique là, nous pouvons joindre accord avec tout l'autre groupe yo, pour nous lancer mobilisation ensemble. Parce que si on a besoin d'écraser bataille là, si on a besoin d'écraser mobilisation, c'est lancer mobilisation, lancer manifestation sans ou pas parler avec l'autre monde. Nous-mêmes nous disons, c'est pour nous faire bataille là. Ensemble, secteur démocratique a dit, il faut nous faire un comité national mobilisation pour ce pas un grand monde qui a lancé manifestation pour contre. Si c'est bon ça nous fait, bataille n'a pas marché, mobilisation n'a pas marché. Et c'est justement parce que manifestation qui est fait 14 août là, pas préparé, pas planifié, qu'il faut voir c'est 25 à 30 monde qui étaient participé là-dedans. S'il était planifié, il y a bien un pile monde là-dedans. Je dis à l'heure arrivée pour nous mettre l'autre dans la bataille là, l'heure arrivée pour nous organiser la bataille. Je me rappelle que le secteur démocratique là, t'es dit que l'a supporté tout mouvement qu'a fait pour voir Jovenel Moïse aller, mais qui ça qui explique? Non, supporté, très bien. Ça veut dire qui ça? Depuis un monde dit, on fait mobilisation, on fait manifestation. Nous pas jamais bataille avec vous, nous pas jamais dit, on pas faire. Ça veut le support moral. Mais nous-mêmes nous dit, on nous organise mobilisation ensemble. Je dis à tout pays a rejeté Jovenel Moïse. Je dis à tout pays a dit Jovenel Moïse pas qu'à diriger pays. Je dis à pays a besoin pour nous toutes nos chutes ensemble, pour nous joindre une seule alternative, pour nous monter un comité national mobilisation, pour nous faire mobilisation. Je dis à pays a pas besoin nous non situation côté monde a couru lancer bagarre à droite à gauche sans pas parler avec l'autre. Moi-même c'est position secteur démocratique là ça. Nous en concertation, nous voulons unité. Pays a pas besoin de division. Faut nous pas mettre division dans le peuple là. Faut nous pas mettre problème dans le peuple là. Et seule façon pour nous mettre problème, c'est le n'a fait bagarre. Pourquoi nous ça nous pas parler avec l'autre monde. Est-ce que le secteur démocratique qu'on a fait mouvement, les qu'on invite l'autre groupe yo, formellement. Toujours. Nous toujours faisons dans la concertation. Et même avant ça, il y a une bataille qui était contre faite. Sans concertation, je dis à désormais, tout ce qu'on a fait, c'est pour nous faire ensemble. C'est la seule façon pour nous réussir, c'est la seule façon pour la population participer. Maître André Michel, yon nan porte-parole secteur démocratique et populaire, yon l'autre pas, dit fait connaître, organisation nan concertation avec un pilote groupe pour qu'a relancer mobilisation et pour yo capable faire main dossier Jovenel Moïse donc faire procès Petro-Caribéa et puis faire conférence nationale. Maître André Michel qui dénonce mauvais conditions la vie population qui détériore chaque jour plus et côté il dit que population pas capable vivre pratiquement dit était quoi c'est dans tête ensemble dans concertation pour yo capable river chavirer situation ça pour changer pays a n'attendez porte-parole secteur démocratique et populaire mettre André Michel toujours dans micro Laurie Louis Jean. C'est important aujourd'hui, c'est comment on va le faire pour nous changer condition de la vie du peuple. Aujourd'hui, à mon bon jeune garçon, jeune femme, qui travaille dans un restaurant, qui travaille dans un hôtel, qui travaille dans ONG, yo paye au bout d'amonnaie. Alors que étrangers qui sortent dans l'autre pays viennent travailler, yo paye 5, 6, 7 000 dollars américains. Yo paye au caille pour priorité. Yo paye tout ça au besoin. Yo paye aux machines et puis haïtien qui travaille, y a plus de yo. Je dis à tout le monde qu'on est. Dans le banque commercial, on y a prêté corps, des monde qui a acheté tuerie, qui a acheté zeux, qui a acheté poule à l'étranger pour venir revendre en Haïti. Il n'y a pas prêté jeunes garçons, jeunes femmes qui besoin faire business. L'argent, il n'y a pas prêté paysans qui besoin investir dans l'agriculture corps. Je dis à même travail, construction qui a fait dans le pays pendant les 10 dernières années, quel travail qui était fait, en plus le boss maçon haïtien pas joint de travail. Ingénieur haïtien pas joint de travail. C'est Dominicain qui vient travailler comme ingénieur. C'est Dominicain qui vient brasser mortier. C'est Dominicain qui vient travailler comme boss maçon. Je dis à nous besoin l'État capable de défendre l'intérêt du peuple. Nous besoin l'État qui est capable de faire sécurité dans le pays. Et je dis à tout rapport RNDDH, rapport de CPJ montre nous, c'est le monde qui est dans l'État qui a fait des armes dans le quartier populaire pour tout le monde. C'est le monde qui est dans l'État qui a fait des armes pour faire kidnapping. Ça veut dire nous avons l'État délinquant. C'est le problème ça pour nous résoudre, c'est le problème ça pour nous poser. Nous-mêmes dans le secteur démocratique là, nous pas dans la division, nous pas de temps pour nous rentrer dans la division. Nous avons besoin de concertation, nous avons besoin d'unité dans le peuple là pour nous lancer une mobilisation, pour nous finir avec Jovenel Moïse. Qui ça secteur démocratique là gagne un agenda dans jour qu'a venir là. Secteur démocratique là en concertation avec un plus l'autre groupe, nous on travaille avec deux paysans papa là, monsieur Chavan Jean-Baptiste qui invite nous aux réunions pour faire dans le plateau central dans ce mois août là. Et nous travaillons avec le groupe Initiative Patriotique Marien qui travaille pour nous
organiser bataille dans un grand pays. N'a travaillé avec 100 000 dans le département sud là pour nous organiser bataille là. N'a travaillé, n'a concerté avec l'autre groupe pour nous lancer une vraie mobilisation, pour nous finir avec Jovenel Moïse, pour nous faire procès Petro Caribe, pour nous faire conférence nationale jeune sur Pérenne, pour nous faire procès massacre la Saline. Voilà le combat du secteur démocratique et populaire. Et dans ça, nous y est, nous pas non courir à gauche, courir à droite. Nous avons une seule bataille, nous avons concertation, nous avons unité. C'est ça qui a bon pays. Maître André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire dans le micro, Laurie Louis Jeune. Yon l'autre part, porte-parole organisation Peuple Cap Lutte, OPL, Dario Syriac, dans l'interview libérée de Kiskeya, fait parler sous choix et premier ministre, ak membre gouvernement, et nous connaît qui choisit, il dit c'est un bluff, parce que Jovenel Moïse montre qu'il n'y a pas besoin qu'un gouvernement. Et il veut entrer tout droit dans diriger pays avec décret. Et concernant séance mise en accusation, Jovenel Moïse, dans porte-parole OPL, dit c'est un bon bagage qui est nécessaire parce que le président violé la constitution PIA. Il fait connaître et il y a une contestation et ensemble avec l'autre parti politique, une organisation dans la société civile là, pour être capable de jouer une autre alternative après Jovenel Moïse fin quitter le pouvoir. Nous avons Dario Syriac, porte-parole OPL, qui t'a parlé comme ça dans le micro, dit deux parents. Bon, et la mise en accusation, c'est un exercice qui était nécessaire, puisque le président Jovenel Moïse, son monsieur qui sacrifie la constitution avec loi PIA, les violés en pile. Donc, il faut que tu gagnes des parlementaires qui croient quoi à deux bras pour capable mettre les faits des masses mises en accusation. Et on va jouer parmi deux députés qui ont l'initiative, ça, on va jouer un député au période en avant. Nous, même comme parti politique, nous agissons sur tous les fronts, nous à la fois participer dans la mobilisation et population, pour capable dire non à la situation ça qui est là, n'est pas acceptable, et mode de gestion ça, l'absence de gouvernance pays, les mêmes qui fait que le pays n'est pas capable de faire un pas bagarre et cap magie à nous pas accepter. Nous, la concertation également avec toutes les partis politiques et d'autres organisations de la société civile pour nous capables de jouer une alternative à départ Jovenel Moïse là, également. Nous, au niveau du Parlement, notre démarche institutionnelle pour capable de servir avec la Constitution, servir avec la loi, pour nous capables de stopper le président. Et c'est dans ce sens-là que nous mettons députés, majorité députés, devant responsabilité, dans les prochains jours, qui pourraient si dans le comportement avec action. Est-ce que ces députés du peuple qui y est, ou bien est-ce que ces députés qui ont l'air? Donc, dans ce sens-là, nous croyons que toute action qui a fait lieu, c'est une action qui loi, qui allait dans le sens libération pays, parce que j'aime déjà la situation, ça n'a pas de monde qui a accepté. Bon, commissaire, la chambre de député a étudié le dossier premier ministre, mais qui a venu gouverner ça au niveau PL, comment nous allons? Gouvernement ça, et depuis même côté, président Jovenel Moïse, il était choisi, monsieur, il était choisi comme premier ministre, et il était choisi tout le monde qui est ministre. Là, ils ont exercice folklorique de choisir pour la première fois des jeunes comme ministres. 50% de femmes qui avaient été ministres. C'est de la poudre aux yeux. Tout le monde qui est capable de comprendre qu'on est que le président Jovenel Moïse a besoin de gouvernement. Oui. Son vrai bagage qui est intéressé, c'est qu'un des pays a là dans des difficultés telles pour que, quand la députée est finie, les trouver lui et dans un pays côté lui-même seul comme chef AP et dirigé par un décret. Nous croyons que ça a été besoin de régler avec député, avec sénateur, les régler déjà. Je dis à l'alba besoin ni député, sénateur. Dario Syriac, porte-parole OPL, yon l'autre part. Monsieur Syriac, en fait connaître situation socio-économique et situation sécurité population dans le dernier jour ça sous l'agraba et intolérable. D'après ça, dit dans l'interview ça. Li fait connaître ces partis politiques et société civile en général qui pour mettre tête ensemble pour capable montrer yo pas capable continuer à vivre comme ça dans le pays. N'attendez qui te parle comme ça toujours dans le micro Didou parent. C'est une situation qui est intenable, intolérable sur le plan social. Donc, je vous dis à la près de 3 millions de monde qui ont insécurité alimentaire. Sur le plan de sécurité, c'est comme si sécurité en Haïti est importante seulement pour mon qui président. Parce que c'est le seul président, Jovenel Moïse, qui est capable de frapper l'estomac, l'insécurité et sembler lié à l'aise dans une situation comme ça. D'ailleurs, c'est dans ce même salle-là même, il se paye une grosse parade. Côté, vous connaissez depuis un certain temps,
m'a descend et presque, mais lui-même, il n'y a pas eu un parade de Pétionville jusqu'à Léogan, côté il garantit gros sécurité sur route là parce que il a fait chaud dans Léogan, la question de promotion militaire, il a mis dehors. C'est une situation aussi sur le plan économique qui est beaucoup plus précaire parce que il y a moins d'activité économique dans le pays. Aucun pays n'est capable de tolérer, il y a deux mondes qui sont dans cette ligue qui peut être non de dirigeants, mais côté mondial, il va diriger peut-être yo seulement. Donc ça veut dire tu as fait comme, tu as fait peut-être yo promotion, tu as fait progrès pendant que la population lui-même est appauvrie. Il va falloir que si le président Jovenel Moïse, tout bon, lui décide, soit c'est mourir pour Moïse au pouvoir, par contre si pouvoir c'était bien maman la cabale, que toute partie politique qui mettait ensemble, des organisations de la société civile là, donc nous capables de refaire l'histoire dans l'autre sens. Gagnez-vous ça, malgré l'incapacité du gouvernement pour arriver à théorie, mais nous, mobilisation qui te gagne dans la rue à contre pouvoir, si j'ai baissé, selon vous-même, qui ça pour la cause ça? Tu as obligé de baisser parce que dans aucun pays, pas gagné une population qui est capable de démobiliser tout le temps pendant le gagné tout problème ça. Pas oublier que le monde qui est toujours dans la rue, pour la plupart, c'est du monde qui peut être dans la manifestation, mais au gain petit à la maison, avait souffert avec misère. Une fois que ou une situation comme ça, il est facile pour rythme mobiliser, c'est cassé. Mais, moun ki au pouvoir, yo, yo trompe, yo, en pile, là, yo pensez que, misère population, qui fait mobilisation, il n'y a pas qu'à Kembe en permanence, là, pour quitter yo, et Kembe en vitalité, là. Ça, c'est bien compté, mal calculé. Au contraire, tendance ça, à insulter population, à un point tel, nous crêtes, pour un bon matin, je pas porter population, conduit population, là, yon violence généralisée, côté tout ça qui est dans le pays, capable de craindre. Nous-mêmes, c'est pas ça, nous souhaitons. Nous exhorter les gens qui ont pouvoir dans le pays pour être capable d'abord faire preuve de compréhension, pour gagner un niveau de conscience citoyenne qui dégage la caillou, parce que c'est mon lieu, c'est haïtien, pour ne pas que ça arrive là, parce que c'est Pita qui est capable de triste pour nous. Si pour inverser la situation, ça, c'est une situation de violence généralisée qui va éclater côté toute bagaille pour le soutenir dans le pays. Dario Syriac, porte-parole OPL, dans le micro d'Hydro Parent. Et puis l'autre dirigeant politique qui exprimait sa situation politique pays, secrétaire général Fusion Social-Démocrate haïtien, ingénieur Rosemont Pradel, qui pas caché tête chargée par rapport à la situation sous la graba, quel que soit dans le domaine ou prendre social, économique, sécurité. Et dans l'interview sur la radio Kiskeya, numéro 2 Fusion, comparé pays à une bombe qui capable d'exploser n'importe qui moment. Et dirigeant politique là critiqué Jovenel Moïse d'après pour qualité monde ni choisi pour nouveau gouvernement li dit li a monté mettez dans tête pays an. Et puis une autre part ingénieur Pradel fait qu'on reste mandat Jovenel Moïse an, pour lui même fragile sous compte Dieu fêlé n'attendel nan micro dit de pas voilà, sauf que qui n'a jouissance totale, qui cap même certains yo, pas éclairé, pas pour analyser yo, yo continue d'abonner. Donc tout le monde ne peut yo abonner, yo préoccupé, et tu vois, n'a pas même dit, certains yo, mais pas qu'ils comprennent. Bon, bien sûr, on comprend les soucis, des mondes qui ont pouvoir, et à jouir, et bien, yo bien content. Yo parle, yo compte que c'est son mari, pour que yo chita. Tout le monde a vu dans le pays d'Haïti, yo dit, là, qui a réfléchi. On est que c'est son mari, pour que paysage de chita, qui a n'importe quel moment, il doit sauter, gagner, il doit sauter, mais chaliner, et les phases, le sauter, nous par contre, qui vont faire. Parce que son pays qui est en complète déconfiture, on est en complète déconfiture, côté que rien n'a pas fonctionné là-dedans. Regardez le niveau de désagrégation de pouvoir exécutif. Le président qui nomme deux premiers ministres jusqu'à présent, pas qu'à faire passer le parlement. Et vous regardez, pour finir le monde, ça, qu'elle mette dans le gouvernement, on comprend bien qu'ils sont déjà de son côté, son désespoir, pour le président, qui montre effectivement pas qu'à jouer aucun monde. Donc, l'obligé, on a des autos mal finis qui plongent le parlement pour le travail. Et bien, c'est ça, pas déployé, donc c'est ça, jouer. Donc, il réussit à monter. On soit dans un gouvernement avec ça. Et jusqu'à présent, par la clause, par la non-application.
Mais comment est l'avenir président de ce pouvoir? Pays d'Haïti, son pays, on a dit qui est prévisible, mais vraiment imprévisible, même des imprévisibles, c'est pas le seul fait que l'on est contre rassuré de tout, et c'est le ça, mon cher, on est dit. Et je vous dis à la gros calme apparent de l'année, mais ce calme apparent, il va virer au rouge à n'importe quoi. C'est pour cette raison que moi-même pensais que monsieur a marché sous du sabre mouvant. Encore plus dangereux, par le seul fait que y a un monde qui est à côté de monsieur, qu'à seul comprendre que c'est gagné, tout va bien, il ne va pas sortir un pont, etc. Pas de manifestation. Il y a quatre chita sous l'ancien ça, penser que il ne va pas sortir encore, que le tourner l'opposition passée, etc., etc., des causes pareilles. Et puis, brutalement, pour gagner, ça ne va pas arriver, on volcan en ébullition qui est. Donc, c'est en ce sens que moi, nous, situation très, très fragile. C'est-à-dire, ça appelait de l'équilibre.